Non. On part sur une ligne droite pour faire la tempe. Et en général, ce sont des personnages qui ont la forme, le visage, pardon, assez triangulaire. Donc là, vous voyez, j'ai voulu faire une ligne trop droite. Et en fait, il faut garder un peu, hein, cette courbure dans les lignes. C'est quand même plus sympathique. Donc là, je l'ai fait un peu allongé. Vous pouvez venir, voilà, faire un visage. Hop. Vous voyez comment je trace mes traits, je les observe, je les corrige. Hein. Ça, c'est normal. Hein. On ne réussit pas tout du premier coup, seulement avec de l'entraînement. Moi, j'aime bien essayer des choses. Hop, donc là on a une forme de visage un peu manga. On a en général après le, voilà, le front ici. Donc c'est des visages qui sont pour certains assez ronds. Si vous le souhaitez, si vous avez peur de vous tromper, on peut tracer comme ça le centre et la ligne pour les yeux. Comme ça quand vous tracerez les yeux, là je vous montre rapidement, voilà, c'est situé. Sinon, moi je vous montre... Je vous montre directement une petite astuce, parce que je m'inspire aussi de choses que j'ai vues. Je trace directement la bouche. Je trace directement la bouche. Et j'ai vu, alors là elle fait un peu la tête, ma jeune fille, on va zoomer. Voilà, on fait une petite courbure comme ça pour le bas de la lèvre supérieure. Et une autre petite courbure ici. Je lui fais faire la tête, ça va pas du tout. Voilà, je fais mes traits trop bas. Et une petite courbure de chaque côté pour... Oh, arriver. Voilà, on est remonté un peu plus ici. Ce qui fait qu'on a, ce que vous aimez bien en général, on a une petite bouche. Pas trop apparente. Le nez, on peut faire très simplement, voilà, juste le dessous du nez, éventuellement marquer le dessus du nez ici, en fonction du personnage, on peut le faire plus bas, voilà. Donc là, ça reste des traits vraiment très discrets. Et ensuite, ce qu'on a dans les personnages manga, c'est des yeux qui sont assez grands. Donc là, après, on peut venir tracer. Moi, je le fais à main levée comme ça, mais vous pouvez vous aider des lignes qu'on a vues. Donc, vous avez vu deux arcs de cercle en haut, en bas. On essaye de les faire à peu près de la même taille. Je viens fermer par une ligne droite. Après, vous regardez, il y a plein de formes d'yeux différents. Hein. Par une ligne droite, je viens fermer l'intérieur des yeux et je vais commencer à tracer mon œil. Donc je me fie au bord de mes courbes et là je trace mon œil. Voilà, après je peux rabaisser. Sachez aussi voilà, hein, que les petites imperfections, là vous voyez qu'à gauche j'ai comme une courbure plus grande. Moi je trouve que ça donne un peu aussi du caractère au personnage. Hein. On n'est pas symétrique. Hein. Placez un miroir à la moitié de votre visage, vous verrez que vous n'êtes pas symétrique et que c'est très étrange quand on fait ce genre de choses. Alors... Vous êtes sûrement plus expert que moi, mais parfois, pour les yeux, voilà, on fait deux petites choses qui scintillent sur l'extérieur de l'œil et le rond à l'intérieur. Si je fais ça, mon personnage bouge un peu. Hop, je vais le faire regarder. Allez, on va tester. Je vais le faire regarder sur un côté. Ici, voilà. Après, ce qui donne le caractère aussi des personnages, c'est les coiffures. Donc là, pareil, je vous laisse inventer. Les oreilles sont ici. Voilà. Le cou. Et puis après, c'est vraiment à vous de vous amuser. Donc en général l'intérieur de l'œil est noir.
Voilà, petite astuce encore. Donc là, moi, je vais prendre un outil particulier, mais vous pouvez faire ça au crayon. Mais d'ailleurs, je vais prendre le crayon, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre le crayon. Comment est mon trait? Trop épais. Je peux régler la couleur parce que je ne peux pas forcément régler le... Moduler mon appui, donc vous vraiment sans trop appuyer, voilà, on prend une couleur un peu beige. Et pourquoi pas venir, voilà, travailler très légèrement la couleur des lèvres. Ça peut être vraiment très léger. Voilà. Et puis ce que je n'ai pas fait tout à l'heure aussi, c'est... Je reprends le noir. C'est le bas de la lèvre, hein. Voilà, qui donne un peu cet effet-là. Donc là, mes lèvres sont très fines. Après, essayer des petites choses. Hop. Voilà, soit là, ou si ça ne vous convient pas, après, bon, il faut mettre la couleur sur le reste, hein. On peut aussi... ne rien mettre en haut et simplement mettre de la couleur juste en bas. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Il y aura plein de petits modèles sûrement sur Internet. Voilà pour un visage un peu style manga, rapide. Donc ça, c'est un gros plan sur le visage, et puis très gros plan, je vais pas vous retracer les choses, mais voilà, un très gros plan, c'est ça, hein, sur l'œil. Donc ceux qui veulent faire, s'essayer à des yeux un peu plus réalistes, donc pareil, on part sur deux courbes. Donc en fonction de vos courbes, hein, on a des fois des yeux qui sont très ronds ou des yeux qui sont beaucoup plus en amande. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je pars sur standard, on va dire. Donc, ces deux courbes, on trace l'œil à l'intérieur. Puisqu'en fait, mes deux courbes, ce sont mes paupières. On pourrait presque, voilà, faire le rond de la paupière ici. Voilà. Et après, au-dessus, on a le sourcil. Voilà. Donc, cet œil-là, qu'on vient fermer. Donc, ça, c'est l'extérieur de l'œil qui vient se fermer. Comme ça. On a un petit décroché ici, un double trait. L'intérieur de l'œil, il vient se fermer et souvent, souvent, c'est le cas. C'est pas souvent, c'est le cas. On a, vous observerez votre œil, voilà, un petit décroché ici avec l'intérieur de l'œil. Donc on vient fermer ici, vous avez le blanc de votre œil et on a ce petit bout de peau ici avec une petite ouverture pour les larmes, vous observerez, mais on n'est pas obligé de la faire, ça c'était moi, pour vous montrer. Donc on a notre œil. Au milieu, je schématise, mais on a l'iris. Si vous voulez vraiment, vous regarderez un iris, c'est magnifique, hein, on a énormément de détails. Nous, en dessin, on peut s'amuser, voilà, faire une forme un peu étoilée comme ça. Et puis après, revenir travailler autour. Si j'ai l'œil marron, donc moi, je vous le fais rapidement. Avec une couleur assez claire. Donc ça, c'est un effet peinture. Vous pouvez très bien faire au crayon, hein, sans trop appuyer. Voilà. On va pas trop partir dans la couleur, mais si j'ai l'œil marron, voilà. Et je vais prendre un petit feutre. Et je vais prendre un petit feutre, voilà, pour venir retracer. Mais là, c'est pas assez fin. Pour venir retracer. Là, vous voyez que mon trait est beaucoup plus épais. C'est pas bon du tout. Hop. Venir en fait repasser. Voilà. Dans le détail. Ce que je viens de faire, je vais reculer pour vous montrer. Et puis après, c'est aussi le fait, hein, de repasser autour de l'œil. Voilà, de renforcer un peu le noir autour de l'œil.
Voilà, donc ça c'est simplement, vous voyez que c'est un peu dur comme l'iris quand on veut le travailler. Ça peut être une forme d'œil hein, qui fonctionne, mais quand on veut le travailler, c'est bien d'utiliser les couleurs. Là, je pourrais très bien, voilà, si je veux un œil vraiment en bande dessinée, je peux très bien, voilà, laisser en rond comme ça et tout de suite c'est plus efficace. Vraiment aller à l'efficace, à ce qui marche tout de suite. J'en profite, donc là je vais vous laisser vous débrouiller. J'en profite pour vous donner quelques indications concernant la consigne. Vous devez, je vous rappelle, imaginer une histoire où le personnage cherche à franchir le mur. Moi, quand j'ai dessiné, donc quand j'ai fait mon premier tuto, je vous ai montré des personnages qui essayaient de casser le mur. Donc casser le mur avec un bâton, normalement, ça ne fonctionne pas. Voilà, mais si je vous donne le choix de deux objets différents, c'est que dans votre narration, dans votre histoire, vous devez justement vous amuser un peu avec ces deux objets, montrer peut-être un choix complètement absurde du personnage, il n'arrive pas à franchir le mur, donc il prend autre chose pour franchir le mur. Donc le casser ou le franchir, c'est-à-dire passer au-dessus, passer en dessous. Soyez inventifs, soyez originaux. Et dernière chose, concernant les personnages, donc moi je vous ai montré une petite astuce pour à peu près les proportionner, etc. On est en bande dessinée, vous pouvez très bien vous amuser à me faire un personnage avec des belles chaussures, voilà, un personnage rond. Enfin, vraiment amusez-vous, un peu comme un Pac-Man revisité. Voilà, en général, ils ont quatre doigts, voilà, il a un petit gant, mon personnage. 3, 4. Il a le nez rond, il est content. Voilà. Et vraiment, la forme de votre personnage dans votre histoire va avoir une importance puisque si je fais un Pac-Man, pardon mademoiselle, si je fais un Pac-Man et que j'ai mon mur qui est haut comme ça, voire même haut comme ça, on va dire que Pac-Man va se diriger vers le mur, donc il va être grand comme ça. Hop. Pour le franchir, ça va pas être évident. Si je fais un personnage qui est déjà assez grand, voilà. Bon, l'idée, hein, c'est d'utiliser les objets que je vous ai proposés, mais de les dessiner. Mais vraiment, voilà, pensez à un personnage original qui et dont la taille, la forme, etc. aura une incidence sur l'histoire. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Dernière chose, toute dernière chose. Faites des choses. Soignez, soyez vraiment soignés, rendez-moi quelque chose de propre. Donc j'en profite. Allez, on met tout dans cette vidéo. J'en profite. Donc on va enlever notre Pac-Man. Je ne trace pas en même temps que vous, vous saurez le faire proprement à la règle. Je vous demande de faire une planche de bande dessinée. Voici votre feuille. Je vous demande, pardon, de faire une planche de bande dessinée. Donc, travaillez à la règle, s'il vous plaît. Les vignettes, même si les vignettes, vous pouvez les faire de différentes tailles. Voilà, faites-les proprement à la règle. Avec un espace, donc soyez précis. On pourrait imaginer ici un espace pour tout le cadre. Donc, vous laissez un peu de blanc. Un espace allait de 2 cm pour le tour. Et entre les vignettes, un espace de 1 ou 0,5 cm. À vous de voir ce que vous trouvez le plus joli. Même si vous décidez de faire hop, des vignettes comme ça. Casser en biais parce qu'il va se passer quelque chose. Voilà, même si vous décidez, pardon, de faire une grande vignette. Respectez ces écarts. Visuellement, il faut que ce soit propre. Voilà. Donc un cadre de 2 cm. Voilà. Et des petits espaces après, tout ça à la règle. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vous laisse faire votre bande dessinée. Bonne réalisation et à bientôt!